cette vidéo pour vous informer sur l'utilisation du chauffage qui peut malheureusement mettre le thermique en route. Alors, vous voyez ici le moteur, il est en route, il est en électrique. La température extérieure est à peu près de 11 degrés. Si je rajoute, vous voyez, on a mis 21 degrés, le véhicule est sorti de son mode électrique d'office. Regardez, tac. Par contre, si je remets à 19, là, je peux appuyer. Vous voyez? Et là, il est en électrique. Parce que vous êtes quelques-uns à dire que le véhicule a des problèmes, etc. Mais sachez que si vous avez une forte, vous voyez ici, la température extérieure, et ici la température intérieure, si vous avez une grosse différence, automatiquement le moteur thermique se mettra en route de manière à aider à chauffer l'habitacle beaucoup plus rapidement. Donc, je vous conseille de mettre une température moins importante et de ce fait, vous allez pouvoir rouler en 100% électrique. Donc, cette astuce est valable uniquement sur le MG EHS hybride qui a un moteur thermique et un moteur électrique. En espérant que cette astuce vous permette de faire encore des économies et de être pleinement satisfait de votre véhicule. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas à consulter le groupe Facebook dédié à la marque MG qui s'appelle Fan Club MG Motor FR, où vous allez avoir des utilisateurs de ce véhicule, mais aussi des concessionnaires qui sont à votre écoute. Voilà, et à partir de là, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Et en même temps, je vous montre, sur 3000 km qu'a ce véhicule, la consommation moyenne a été de 5,6 litres au 100 pour le carburant et 3,3 kW au 100 pour la partie électrique. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout à vous abonner pour d'autres vidéos et astuces. À bientôt.